associations sont là à côté. Vos gâteaux sont là à côté du camion. Rien, ce sont nos gâteaux. Elles nous ont soutenus pendant toute la crise. Elles venaient tous les jours nous les donner dans les services. Elles sont encore là aujourd'hui. Merci à elles. Vos gâteaux, c'est nos gâteaux. On va tous y bouffer parce qu'on aura tout ce qu'on ira chercher. On aura tout ce qu'on ira chercher ensemble. Alors, bye bye le Ségur dans quelques demi-heures. Et on va aller vers les lieux de pouvoir. On va aller vers le Premier ministre. On va aller vers l'Élysée parce que c'est notre liberté. Donc aujourd'hui, après les applaudissements et les paroles, j'allais dire, de compassion du président de la République, il faut des réponses. Donc la manifestation, c'est le temps, les belles paroles, ça suffit. Il faut des réponses concrètes aux problèmes de manque d'emploi, aux problèmes de reconnaissance des qualifications, c'est-à-dire l'augmentation des salaires. Il faut réouvrir des lits et des hôpitaux. Voilà, c'est ça le sens de la manifestation d'aujourd'hui, des choses qu'on a déjà entendues dans de nombreuses manifestations avant la crise du Covid. Pourquoi manifester maintenant en plein cœur du Ségur de la Santé alors que ces conditions sont attendues pour la mi-juillet? Écoutez, comme on dit, je pense que les personnels soignants ne vont pas me contredire, il vaut mieux prévenir que guérir. Le diagnostic, il est connu. Les problèmes sont connus. Donc, plutôt que essayer de continuer à faire un diagnostic, je pense que la mobilisation est nécessaire pour rappeler au gouvernement que maintenant, il faut qu'ils annoncent des moyens pour l'hôpital. C'est le sens de la mobilisation d'aujourd'hui à Paris et dans tout le monde. Monsieur Martial, les revendications. Les revendications, c'est augmentation des salaires, reconnaissance des qualifications. Le personnel soignant en France est un des plus mal payés d'Europe. C'est des embauches. On a chiffré à l'hôpital un besoin minimum de 100 000 emplois, plus 200 000 dans les EHPAD, l'annulation de la dette, et puis la réouverture de lits. On a bien vu que les conditions de travail des soignants, donc réouverture de lits et des hôpitaux de proximité, c'est en fait revoir toutes les réformes qu'il y a eu sur la santé pour donner vraiment accès à la santé à tous. Des usagers, c'est quelque chose d'inédit dans la lutte de l'hôpital public, tous ensemble, parce que ce qu'on veut faire, c'est préserver notre outil de travail au service des patients. Vous avez compris qu'on a alpagué Emmanuel Macron deux fois, une fois devant les caméras et une fois sans les caméras, que devant nous il s'est engagé à des tas de choses. En fait, il est clair que si on n'obtient pas dans les 15 jours qui viennent une augmentation des salaires, on ne l'obtiendra jamais. Donc d'où l'idée de cette manifestation aujourd'hui, et d'où l'idée aussi que, au-delà des salaires, il y a quelque chose de très important, c'est la gouvernance. Il n'est plus admissible que des directions hospitalières agissent avec maltraitance sur les soignants dans l'objectif d'équilibrer les comptes de l'hôpital et en ayant complètement oublié l'objectif. L'objectif, c'est le patient.
Yeah.
Thank you.
Routine. Let's go!